Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de paillage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment l'efficacité d'un paillage. Le paillage, ok, il est là pour décorer, donc on va choisir des couleurs, hein, on va prendre de l'écorce de pin, on va prendre du paillage de chanvre, miscanthus, tout ce qu'on voudra, même du gravillon, de la puzzolane, ce qui est roche volcanique. Et donc pour décorer en fonction de ce qu'on veut, l'effet qu'on veut donner à notre massif fini. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pas juste de la décoration en fait le paillage. Le paillage, il a une efficacité aussi de retenir l'eau de la terre. C'est-à-dire il conserve une fraîcheur au sol, il empêche les rayons du soleil de venir taper en direct sur le sol et donc d'évaporer l'eau qu'il y aurait dans le sol. C'est-à-dire il va contenir un peu donc, d'humidité du sol. Donc une fraîcheur pour l'été, ce qui est très important pour économiser les arrosages. Et ensuite, ce qu'il faut faire, donc ce qui est important, c'est il faut le poser vraiment sur un sol nu, c'est-à-dire un sol que vous aurez bien nettoyé proprement. On ne va pas s'amuser à mettre du paillage sur un gazon tout fait. Non, non, il faut vraiment bien nettoyer le sol, vous voyez, comme ça en fait. Hein. Il faut vraiment qu'on ait un sol à blanc, à nu. Voilà. Et puis, donc là, on empêchera énormément la pousse de mauvaises herbes. Puis surtout, après, bah, il va falloir mettre une épaisseur. Si vous n'en mettez pas suffisamment, vous voyez comme ici, c'est juste mis en termes de déco. Vous voyez, il n'y a même pas une couche. Et ça, ça ne suffit pas. Vous voyez, si vous voulez montrer, là, voilà. Là, quand je vais sur le côté ici, là, je vous ai mis vraiment la dose qu'il faudrait. On a une grosse granulométrie, donc il faut mettre plus épais qu'une petite granulométrie que ne serait un paillis de chanvre. Vous voyez, regardez, là, je vais gratter. Et là, je peux vous dire, vous voyez, quand je vois l'épaisseur, regardez, de ma main, j'ai la hauteur de mes doigts, donc j'ai environ à peu près 7-8 cm d'épaisseur. Et c'est le minima qu'il faut. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'essentiel sur le paillage. Ok, ça décore, mais ça doit servir aussi à la rétention en eau et à empêcher la pousse des mauvaises herbes. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'il y a d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous rappelle, elle s'appelle 2 minutes au jardin, d'autres vidéos sur des petites astuces, sur comprendre la nature un petit peu mieux, les végétaux et des systèmes D pour le potager. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.